ça reste dans cette serre. Après, bien sûr, ça va pousser. Ça va... Après, quand elles vont atteindre un centimètre, on va les repiquer. Donc, on va passer après à l'étape suivante, le repiquage. Alors là, nous passons à l'étape du repiquage. Le semis a 3 semaines, donc on a jugé qu'il fallait le repiquer. Donc, on passe à l'étape du repiquage. Sachant qu'un par plaque, il y a 140 plants. Donc un plant par petit emplacement. Par le bébé, voilà, tout à fait. Oui. Donc tout est fait à la main. Tout est fait à la main, oui. Ça consiste le rempotage. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre un plant comme ceci. Nous allons faire un pincement qui est ici, au milieu de la plante à la base. Et après, ce qu'on fait, on va la rempoter. Et en fait, le pincement sert à ramifier la plante, si vous voulez, pour lui donner qu'elle soit plus forte, en fait. Donc, qu'elle soit plus importante, au lieu que ça fasse un fil. Donc, on pince la plante, ça fait une meilleure ramification, et donc la plante est plus jolie. Voilà, donc après, on la rempote. Voilà. Donc voilà, nous avons une citerne de récupération d'eau pluviale qui contient environ 70 mètres cubes d'eau. Donc c'est-à-dire quand il pleut, ça récupère toute l'eau du toit. Et après, avec une pompe, ce qui nous permet d'arroser nos plantes, quoi, en fait, voilà, ce qu'on a besoin d'arroser. Toute l'eau qui tombe par terre, en fait, si vous voulez, dans le sol, on la récupère, et elle est filtrée, et après, on peut la réutiliser pour arroser les petites jardinières qu'on a devant, voilà. Donc, c'est vite le gaspillage, en fait.